Yo tout le monde, c'est Polo les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel comme d'habitude. On dirait que je suis tout le temps sapé pareil, mais t'inquiète, c'est normal, c'est parce qu'il y a des semaines qui tournent avant les vidéos. Ok les gars, super important, avant de commencer cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est super important, il va y avoir une grosse annonce. Certains l'ont peut-être déjà vu parce que... Ouais c'est visible. Restez bien jusqu'à la fin les gars, super important. Et surtout les gars, surtout, abonnez-vous les gars, franchement en ce moment vous... Franchement, on dirait j'en fais des caisses, mais quand je vois comment vous cassez tout, les gars, mais continuez parce que là, vous me régalez, faut qu'on continue comme ça. Tu vois, ça, c'est la chaîne YouTube, on est là, il faut qu'on fasse en 2021, tu vois ce que je veux dire? Bref, du coup, les gars, jusqu'à la fin de la vidéo, je vous veux, les gars, je vous fais confiance, hein. Les gars, aujourd'hui, vidéo annonce, on va annoncer des choses, ma gueule, là, hein. Bon, aujourd'hui, vidéo... Pas prise de tête, on roule pas, on fait rien, il fait trop froid les gars. Regardez, il y a deux jours comment c'était chez moi. On est à Montréal, pas au favela. Reprends-toi, calme-toi mon petit gars. Vous croyez que je vais aller rouler? J'ai la flemme, j'ai pas envie, il fait trop froid. Ok les gars, donc aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les gars, je vais vous parler du jour où j'ai plaqué double backflip. Parce que oui les gars, bah en fait ça fait... Merde, depuis tout à l'heure j'ai ça sur l'écran. Putain ouais, j'étais absent pendant un an, mais pendant un an les gars, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses. Les gars, en termes de tricks, en termes de machin et tout, sur Insta, bon j'ai pas bombardé non plus, parce qu'il y a eu un confinement quand même, on s'est quand même fait un petit peu péter le cul quoi, c'est... Mais en début d'année les gars, en début d'année 2020, franchement, j'ai dit à mon collègue qui s'appelle Bastien, cette année, on va tout niquer. Qu'est-ce que j'ai dit? Corona. Bon ben ça va. C'était plus une putain de bonne année ça. Putain, celle-là elle était bien. Ouais, par contre en début d'année les gars, ça a été vraiment pas mal. Du coup, ben il y a un jour où je suis allé au palais de la glisse. SO William, SO Johan, les gars, merci pour la force parce que sans eux, voilà, je mets rien. J'ai fait un peu de bac à mousse et tout, j'ai commencé à tirer des doubles bacs. Ça commence à être sympa les sessions de trotte là, c'est pas mal. Bref, du coup les gars, de fil en aiguille, de toute façon je vous mettrai tous les trails. Là je vais vous mettre juste en parlant les trails en bac à mousse. Bon les gars, par contre je suis désolé, toutes les vidéos sont en format portrait parce que du coup c'était pour Insta. Du coup les gars, je tire des doubles bacs. À quel moment je me suis dit, ouais, j'étais un PD moi l'année dernière, je mettais même pas bac sur le dur, hein. J'étais vraiment un gros gay. Et façon de parler les gars, j'ai aucun truc homophobe. Du coup les gars, bah, tranquille, là ça commence à faire des doubles bac à mousse et tout. Et au fur et à mesure je vois que ma rota elle est pas mal. Les gars franchement il y en avait, je les faisais. Je sais pas si j'ai des vidéos. Je prenais un élan. Bref les gars, du coup à la double bac. Donc à un moment le plus dur, je vous jure les gars, pour faire un double bac, au moment où il faut le tirer sur une résine, t'es comme un ouf dans ta tête, t'es en mode... Ouais, dans ma tête je suis chaud comme ça, moi. Je le fais ou pas? Après moi j'ai eu une bonne stratégie les gars, ça a été de pas réfléchir mille ans. En gros j'ai fait vas-y, faut y aller. Et j'y suis allé tu vois. Et j'ai eu beaucoup de chance en fait parce que mes doubles bacs ils sont assez bien pour que je puisse doser. Et si je vois en gros que ça rate pas, il y a beaucoup de gens qui arrivent pas, qui tirent à la zeub et ils font TB tu vois. Mais moi j'ai la chance de pouvoir regarder dans mon double bac, c'est à dire je vois à peu près où je suis. Et du coup, quand je rate, ben je m'enlève de la trotte. Guettez ce try. Oh, starful! Du coup, voilà. Donc, le double back est passé à peu près 6 tries, je crois. Fuck this, dude! Oh, mon maillot, quoi, il a plaqué. Merci à Maglion Jordan de m'avoir filmé, merci à Johan, merci mon sponsor.
@rollerenco, c'est en description. Bref, du coup les gars, ben incroyable, j'ai mis double backflip. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Voilà, il y a les mecs qui font double backflip et il y a les mecs qui le font pas. Par exemple, Geoffrey. Pardon. Voilà les gars, du coup j'ai mis double backflip. Alors je l'ai mis plusieurs fois. Il y a eu des fois où je l'ai même pas filmé. À partir de la, je crois, la deuxième session, je l'avais retiré. Je l'ai retiré et ça s'est super bien passé. Bon bah yo hein. Je l'ai mis en 2 tries. Et puis voilà, il y a eu une session où je l'ai mis first try et Johan pourra attester, il était là. Et je crois que je l'ai filmé aussi, je sais plus. En gros, je vous mettrai les vidéos si je les ai. Les gars, truc de fou, je mets double backflip. Putain. Et là, sur ma chaîne, on a même pas vu ça. Les gars, je suis obligé d'en parler un peu là. Bref, du coup, les gars, on est à la fin de la vidéo, les gars. Mais quelle est cette annonce? Mais quelle est cette annonce? Bon, alors, les gars, je lance officiellement aujourd'hui une boutique de merch. Alors, tout le monde l'a fait, je suis d'accord. Tout le monde le fera encore. Tout le monde le fera. La différence, c'est que moi, je m'en bats les couilles. On dit au 7ème qui achète, les gars. Déjà, les prix, vous verrez, les gars, les prix du merch, ils sont tous au plus bas. Je fais aucun profit dessus. C'est juste pour vous faire plaisir. Les gars, le 7ème qui achète, ce sera le dernier. Du coup, les gars, il y aura 7 personnes qui auront des produits Polo et plus personne, les gars. Donc, allez-y, les gars, démontez-moi ce putain de merch. Enfin, démontez-moi les 7, parce qu'après, je ferme la boutique. Voilà, donc j'ai aucune raison de faire ça, mais j'ai envie de le faire parce que je trouve ça drôle et puis je m'en bats les couilles. Du coup, voilà, ça fait plaisir, les gars. Bah écoutez, je vous laisse aller choper mon merch. Voilà, ça commence directement maintenant. Voilà, il est disponible maintenant. Il y aura que 7 personnes. Les 7 personnes, venez sur Instagram, les gars. J'ai des surprises pour vous. Voilà. Et puis voilà, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Cette vidéo est terminée. Vous me régalez, les gars. Démontez-moi cette vidéo de like. Voilà, comme d'habitude, moi j'espère vous revoir avec un autre pull. Et puis, bah, je vous dis ciao.